Et salut à tous et à toutes, c'est Cornet 3 et on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 16, si j'ai pas de bêtises. Imagine, je t'interromps en pleine intro. Tu as le droit de le faire. Écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Tu viens de faire, en fait. au moins, j'ai pu faire à peu près le jour 16 jusqu'ici. Et on se retrouve du coup, comme tous les jours depuis le premier du mois, sur Dead by Daylight. Vous allez me dire, mais c'est pas très Noël, mais vous voyez, il y a de la neige. Il y a des pulls de Noël. C'est Noël, c'est bon, on est dans le thème, non? Enfin bref, voilà. J'ai plus de 1200 heures. Iron, elle est plus que moi encore. Et Zony, un peu moins, mais it's okay, elle va nous rattraper un jour. J'ai 256 heures. It's okay. À 1000 heures près, c'est bon. On ne juge pas. On ne juge pas. On n'est pas à ça près. Et bah, du coup, on va faire quelques games. Je couperai sans doute. Donc, soit il y aura plein de moments marrants et je mettrai que les moments marrants. Soit il y aura des bonnes parties et je mettrai les bonnes parties. On verra. Et puis, bah, let's go, hein. Oh, tu sais à quoi ça me fait penser? Ah si. Au même avec le tweet en mode je vais me péter la gueule avec un gars, je vous mettrai la vidéo et puis genre d'une heure après, je me suis fait démonter, il y a aucun monde où je poste la vidéo. C'est un peu ça. Non, ça va. En fait, on devrait filmer aussi nos games au Nice, comme ça on pourrait les filer à quoi, ils pourraient se casser le cul pour faire un montage et tout en mode avec la caméra qui passe d'un jeu à l'autre. Oh, tu sais, je pense que j'aurais synchronisé les gameplays et qu'il y aurait l'écran séparé en trois, hein, ce serait plus simple. Comme ça, à tout moment, tu vois ce que les gens font. Et j'ai toujours eu envie de faire ça, même sur des jeux, genre sur tous les jeux, tu vois. Bon, je fais des jeux solo, donc en général, ça me sert pas. Mais j'ai toujours eu envie de séparer les écrans. Parce que j'ai toujours trouvé ça frustrant quand dans un vocal, forcément, chacun dit ce qu'il fait, mais genre le viewer, lui, le voit pas, tu vois. Alors que techniquement, si tout le monde se casse le cul, évidemment, mais techniquement, ça peut se faire que genre, il voit tout, quoi. Pareil, genre le nombre de gens qui font des... Ouais, c'est Chucky. Le nombre de gens qui font des survies à deux sur plein de jeux et tu vois la vision que d'un, t'es en mode genre... Ça coûterait quoi que l'autre filme, vous coupiez l'écran en deux et sur nous. Donc on passe ça. Ouais, mais là ça va être un peu tard. Mais it's ok. Ok, je retournais sur notre chaîne. On peut le faire à la prochaine si tu veux. Non, mais t'inquiète. Non, mais quand je dis c'est un peu tard, c'est que... Bah, la vidéo sort demain, quoi. Donc si je prends 15 ans d'édit à faire... Mais en vrai, je le garde dans un coin de ma tête. Oh, t'as dit quoi, excuse-moi? T'as dit que je l'avais mené. Je l'avais mené. Putain, il est horrible, tu le vois pas arriver, c'est infernal. Tu penses? Il a ami pour la vie 2. J'ai quand même réussi à le finir. En gros, quand il accroche quelqu'un, autre que son obsession, bah il voit l'obsession pendant je sais plus combien de secondes, et l'obsession est one-shotable. Pour l'instant, l'obsession c'est moi. Et s'il me chope, et qu'il m'accroche, c'est ça. Mais du coup, la nouvelle obsession crie, donc il ne voit pas Laura, mais elle crie, et du coup, tu deviens l'obsession. Enfin, quelqu'un devient l'obsession. Okay. Perks plutôt forte. C'est pas la connerie qu'il faut que quand t'es l'obsession, faut se mettre dans un case pour ne pas être vu. Si ça peut marcher. Non, c'est ça. En tout cas, il m'a perdu d'une façon très très bête. Juste, je suis monté en haut du saloon. Je me suis juste caché sur le balcon, mais sans vraiment plus que ça, et il est passé. Pardon. Et il s'est tombé. Quand on voit un icône, c'est quoi? C'est des boules de neige? Ou c'est les bonhommes de neige qui crient? Je crois que ça doit être les faux qui... ouais. Parce que j'ai vu ça la partie d'avant aussi et j'ai pas trop remarqué ce que c'était. Je suis pas sûr en vrai, mais je crois que c'est ça. Que je te laisse surveiller la porte, moi je regarde de l'autre côté. Attention, il est en mode discret. Il m'a balancé une boule de neige l'autre. Oui, tu peux faire ça. Il est sur nous. Mais ça m'a surpris. On a touché. Je crois que Claudette elle m'aime bien en vrai parce qu'elle elle reste près de moi. Et bah tant mieux. Elle fait un totem. Ok, j'étais en genre j'entends fort mais je sais pas où il est. T'es sur nous. Ça va? Il reste sur toi. C'était un bonhomme de neige, ça m'a fait peur. C'est comment la partie d'avant, c'est vrai que ça m'a étonné. Moi je pense que c'était
chaque fois, je crois que c'est le tueur qui sort de là, parce qu'à un moment donné, t'avais raconté qu'une saison, il pouvait sortir. Mais il peut. Dans la bonhomme de neige, nous, on peut y aller, mais les tueurs peuvent aussi. Ça m'a fait peur, j'ai eu la trouille. Oui, ça s'est entendu. Oui, t'inquiète. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, je croyais qu'on était passé à côté de toi. Et du coup, peut-être qu'il t'avait surpris. Ouais, t'inquiète, j'ai... Non, je vais pas faire de miracle, mais... Bon, bah, la partie se passait beaucoup mieux, ça fait du bien d'avoir une manette. Tu m'étonnes. En vrai, ça va être son deuxième accrochage, il nous reste deux gènes, on est pas mal, en tout cas, pour l'instant. J'ai pas envie de nous porter le 40. Oui, c'est ça, j'ai... Attends, parce que ça peut mal tourner, je peux aller le chercher, si tu veux, je suis pas loin. Hein. Je crois que tu disais, je peux aller chercher, en mode genre, je peux aller voir le tueur, si tu veux. C'est en mode genre, ça se passe trop bien. Aller chercher quoi, je veux dire. Non, mais je disais, parle pas trop vite parce que de toute façon, c'est déjà arrivé que ça se passait bien et puis d'un coup, ça n'allait plus. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas le chercher, genre, l'autre, où l'autre, j'y vais. L'autre, il va, ouais. Okay. Bah, il vient, fais gaffe, par contre, je sais pas où il est. Bah, il est sur nous, ouais. Il est sur nous. Vous êtes tranquille pour travailler. Et il est sur l'autre, donc. Allô, t'as veut me soigner absolument. Allez, on va dire d'accord, même si en vrai... Je préfère rester blessé. GG. Elle m'a soigné juste pour pouvoir me balancer des boules de neige parce que je crois qu'elle a dû prendre le premier défi là, c'est envoyer des boules de neige sur des gens en pleine santé. Après, de ce que j'ai vu ouais, sur le truc, c'est, j'ai l'impression qu'ils ont moins développé, il y a même moins d'interactions ou autres que ce qu'ils avaient fait pour Halloween quoi. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils avaient fait pour Noël dernier. Donc ils te raccrochent. Échapper à des poursuites. À mon avis, je crois pas que je vais y arriver de suite. Hein. Ouais, ça dépend sur contre qui on tombe et si t'as de la chance. En vrai, moi, c'est passé avec lui aussi, parce qu'au début de partie, il a venu sur nous, mais il a choisi de courir après Iron. Donc moi, j'étais tranquille. Ça m'a compté comme 1. On va finir vite fait le gène et on vient te chercher. Hein. Ah, l'autre, elle vient te chercher. On va finir quand même le gène, nous, mais... Il y a une porte derrière nous et l'autre... Ok, les deux portes sont plutôt lointaines. Ok. Bah, moi je vais ouvrir celle au bout de la rue, comme ça s'il vient. Je l'occupe ici. Ouais, bah non. Ouf. Il campe. Ah, ouais. Il campe parce que franchement... Ouais, une fois ouais. Que les gènes sont finis, techniquement il peut camper. J'ouvre pas la porte, j'ai 99 parce qu'on se rappelle de son pouvoir, il peut être chiant. Il tâche plus longtemps. Bon, par contre, je vais pas rester trop près de lui parce que je peux. Bah, c'est ma troisième fois. Donc oui, t'inquiète. Run. Tu peux aller vers ma porte si tu veux. La porte, mais pas l'ouvrir. Ouais, il court sur la Claudette, mais. T'inquiète, tu peux l'ouvrir si tu veux. Ouais, ouvre-la. Faut juste qu'elle s'en sorte, j'espère. Ouais, je vais peut-être essayer d'aller tanker pour elle. En soi, ça va, vous êtes tous en face, une sauf moi, quoi. Moi, je suis en... Je sors déjà, du coup Tu peux te mettre à la limite, si tu veux, mais... Mais oui, tu mets la sûreté. Oui, j'y vais, je pense. Ça, je suis quasiment au niveau de l'autre porte. Je vais lui ouvrir la porte. Merde, putain, elle s'est fait down juste à côté. Ok, je me suis caché derrière le rocher, l'autre rocher. Mais c'est ça qui me voit. Je suis one-shot. Ah, mais il est pas allé sur moi. Il est sur moi, vas-y. Ouais, j'ouvre la porte et je vais la chercher. Quand ça peut sortir direct. Par contre, je suis one-shotable. T'es blessé? Ah oui, t'es là. Fuck. Oh, damn it, elle a voulu tenter. Fuck. Non, c'est pas grave, c'est ça. Sorry. Oh, non, il me laisse partir. Let's go. Oh, il me laisse partir. On va dire joyeux Noël à lui. Hein. Ah, celui-là, il est venu te chercher, j'étais pas encore sortie, moi. Ouais, mais c'était risqué.
Bah tant pis. Ouais, si, parce que en l'accrochant en plus, tu serais devenu l'obsession. Non bon, après, tu serais juste devenu l'obsession et t'aurais crié. Donc il aurait su où t'étais, il serait allé vers toi. Ah, il avait rejeté la lumière. Boom. On peut jouer à deux. Ouais. Pile incluse. Ouais, il a pris ses trois percs pour tester. Et un truc pour pas être aveuglé. Mais c'est bien d'avoir pris un truc pour pas être aveuglé. Et en même temps, avoir pris sa perce, d'être en mode genre si on m'aveugle, les autres sont aveuglés. Est-ce que ça combote quand même? En mode, tu l'aveugles pas parce qu'il a sa perce pour parer, mais t'es quand même aveuglé parce que techniquement il aurait dû. Quand on l'étourdit aussi, ça. Ah oui, ça marche aussi, c'est vrai. Ça marche aussi. Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas Ormond, mais il y a quand même des grands chalets, non? Non. Est-ce qu'il suffit que je passe à côté pour que ça déclenche la quête? Pourquoi il m'attaque pas? Et s'il t'attaque pas, c'est que c'est pas des imposteurs. Je pense que c'est parce que j'étais. Genre, il était dodo. Oh putain, ça m'a fait peur. Alors que je m'y attendais! Alors que je m'y attendais, j'ai sursauté. Je te jure. Tu verras la caméra? Genre, je vais. Genre vraiment les sursauter. J'en reviens pas que ça ait marché. Qu'est-ce c'est une honte qui se passe. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es caché. Ok, il y avait un petit buisson de trucs juste devant mon générateur. Je l'ai entendu arriver. Je me suis accroupie dans le buisson. Mais vraiment, il y a un mètre du buisson au générateur. Ouais. Il a tapé dedans. Il a regardé autour avec nulle part où se cacher. Il m'a pas vu. Il a fait un peu le tour. Et puis il est parti. Mais c'est normal, genre. S'il a nulle part où se cacher, il s'attend trop à voir une aura, s'il voit pas d'aura, il regarde pas, tu vois. C'est comme moi quand je cherchais la trappe avec abandonné, tu vois. Mais je pense que même s'il avait... Même si, genre, j'avais pas eu distorsion, il m'aurait pas vu parce que, genre... Eh hey, mais... Il voyait pas mon aura. J'ai ressursauté. J'ai ressursauté avec les... Ça marche. Ils ont bien codé leur bruit, mais est-ce que j'ai ressursauté alors que je m'y attendais, c'est incroyable. La feature marche, mais je sais. Moi qui sursaute jamais dans les jeux et tout là. Le jumpscare là, c'est bon là. Là j'espère qu'on va gagner, que ça je laisse la partie et les gens verront ça. Genre. Masui qui fait des n'importe quoi de panique. Ok, elle est sur Nia. Ouais. Non, j'ai dit ouais, mais je suis pas sûr. Et il a tapé dans le générateur du milieu. Ok. Ok, toi, il est avec moi. Et je l'ai croisé sur le côté de la maison. Enfin, je le vois au loin, sur le côté de la maison, pour suivre l'autre. Ok, il est dans la maison. Ah, il a un pass, tu m'as bloqué mon gène. Ouais. It's ok. Je pouvais pas savoir. Et il est sur Dwight. Ouais, je vois. Elena qui fonce sur lui. Il avait peut-être un truc pour le libérer, mais non. Ah, mais du coup, il va l'accrocher à côté. Et je pourrais pas. Ouais, mon gène vient de se débloquer, mais genre. Vert sur vert. Ouais, bon, c'est vrai. J'ai rien dit, c'est vrai qu'il avait le truc de détection, je suis con. Je suis débile. Je vais me faire avoir. Non, ok, it's ok. Ouais, je pense que si tu passes à côté d'un bonhomme de neige et que c'est le tueur qui sursaute, c'est worse. Hein. Aïe. Ah, il a bouché sa dick. 3, évidemment. Il m'a lâché par contre, attention. Et bon, bah, du coup, pas loin de là où il était accroché, il y avait mon gène, je pense que c'est sur celui sur lequel vous êtes. Ouais, moi je suis dessus et Néa elle doit être à l'intérieur. C'est vrai, vous êtes sur deux gènes différents? Nice. Ouais. Par contre, on va se retrouver avec un trigène si on continue comme ça. Ouais, mais bon. Ok, il est à l'intérieur. C'est que le début, c'est ok. Ouais, du coup, t'as bloqué le chien. Moi, il pourra pas taper dedans. Ouais, il va falloir essayer de vous synchro plutôt. Mais oui, c'est pas grave. Ouais, non, mais t'inquiète. C'est, je crois que c'est le Dwight qui l'avait repris. Non, le Dwight il était avec moi.
Ah, il était avec toi, ok. C'est pour ça que vous voyez vos jauges, ok, j'ai rien dit. Je croyais que le Dwight avait été sur l'autre et que du coup vous aviez deux jauges différentes. J'ai pas fait gaffe au nom en fait, juste regardé les progressions. Du coup, c'est bien parce que. Et puis il est venu me rejoindre sur ton gène. Ok. C'est bien parce que ça veut dire que le gène dans la maison est quasi fini. Moi, je suis à l'autre bout, sur une colline. Bah, quasi fini, Il était pas bien avancé ? Si, mais j'ai envie de terre, quoi. Bon, il a pas régressé, il a juste été bloqué, tu vois. Je préfère largement un impasse qu'un crochet flagellateur de con, là. C'est comme ça que ça s'appelle la personne. Crochet flagellateur, 2 points, 2 cons. Bon, du coup, désolé, je vais te bloquer ton gène. Ou bloquer l'autre, ça dépend si t'es plus avancé que celui du milieu. Il est sur moi. Ok, je soigne. Ouais, je soigne la Néa. Ça fait un bonhomme de neige. Ouais, bon, la Néa, c'est fini. Ouais, la Néa, elle a fait exprès de. Ouais, non, mais t'inquiète. Néa a voulu se barrer, du coup, ça a fait. Forcément, ça a fait des explosions de sang. Parce que dommage, parce que je pense qu'il venait pas trouver un don. Je pense qu'il y avait moyen, en plus avec résistance, que je la soigne. Mais bon, it's ok. Je trouve une boîte à outils nulle. C'est mieux que rien. Ah, il a. Je vous écoute. Ok. Bah, il voit notre aura quand on passe dans le truc en vitesse. Ok, je suis dans le shack, je soigne la Néa. Qu'attendait à la palette au cas où s'il arrivait. On va à la maison et je crois que doit être. Ah non, c'était pas je vous écoute, c'était parce qu'il a tapé dans le gène. Ok, ok. Mais c'était au même moment. It's ok. Et le gène de la maison, il est. Doit être bien avancé. Bon, je voulais T-back pour lui dire. Pour lui dire de rien quand je l'ai soigné, mais du coup, elle m'a soigné. Elle me soigne direct. C'est ok parce qu'on est pas trop en retard, je pense, niveau de la partie. Mais bon. Contre un tueur qui one-shot généralement. Après, ouais, contre un Booba, ça peut vite dégénérer. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il qu'il utilise pas trop sa tronçonneuse. Enfin, ça l'oblige à utiliser sa tronçonneuse là, quoi. Et du coup, il y a deux gens qui sont avancés ou il y en a qu'un? Ok, nickel. Il y en a deux. En vrai, j'ai une boîte à outils. Bon, elle est nulle, mais mieux que rien. Après, déjà. Il est très avancé parce qu'on pouvait y revenir. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais du coup, il y va. Ouais, j'ai vu. Ouais, je l'entends, il est bien avancé. Et l'autre, elle fait un gène de l'autre côté, donc c'est parfait. Je pense que je vais la rejoindre. Parce que lui, il va penser qu'on va trahir de la maison. Et on va se faire piéger. Ouais, si j'avais su, je serais resté blessé, je pense. Mais c'est pas grave. Avec Boucher, ça dit que je suis trop tard, elle commence à me soigner. Ok, il vient sur nous. Je me demande s'il a pas. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. La perso, tu sais, quand on est deux, ils voient le générateur. Parce que ça fait 2 fois que. Quand on est deux, vraiment, il vient tout de suite, tu vois. Parce que les deux, il aura. Et pour un Booba, c'est logique, tu vois. Genre. Quand t'as deux personnes au même endroit, t'aimes bien avoir l'info, tu vois. Ok, ok. Je retourne sur l'autre gène. Je sais pas du tout où il est, j'ai pas d'aura pour l'instant. Ok, il est prêt. Go, calme. Il est caché derrière un crochet. Il en est où du coup le gène dans la maison? J'ai pas fait gaffe à la progression. Il était bien avancé, mais là il vient de retaper. Go, calme. Le mien, tu le vois, il est aux 2/3 et l'autre derrière, je suis passé à côté, il est à 0. Ok, il revient, on va jouer sûreté avant tout. De toute façon, là, je pense que l'usure, on va juste l'avoir. Ouais, il check les 3 gènes à chaque fois. Et il va jusqu'au bout. Oui, là, oui, parce que là, il me suit. Ce qui est cool, parce que du coup. Non, il m'a lâché. Ok, il sait quand même qu'il est quand même pas complètement con. Il reste 3 gènes à un moment donné, faut se bouger. Mais du coup, tu vas finir ton gène, c'est parfait. Where is les portes? Attention, hein, quand même, ne prends pas trop de risques. Ne gritte pas, surtout. Parce que là on est bien dans la partie, il faut juste pas grider quoi. Ok, je suis avec la Néa. Ok, Néa est sur l'autre porte. J'ai pas vu, elle était à l'autre porte. Comment décrire ça? Tu sors là, tu vois où je suis? Bah tu continues, elle ouais. Est là. Bon, du coup, elle est morte de toute façon, donc. Faut juste qu'on se casse. Ouais. Yay!
que je t'ibague avec mon petit pompon sur le cul là. Merde, viens, je voulais aller prendre des. Des bouts de neige là, ça va être chaud là. Et là, il vient, il nous tronçonne tous, tu sais. Ouais, on va pas prendre de risques. Attends, la Néa, elle avait une lampe torche d'Halloween, je crois. Marrant. Et bah, parfait! Hein. Nickel, et enfin, je suis allé m'échapper avec un nouvel objet, j'ai réussi. Qu'avait-il? Donc, impasse, on savait, plus c'est dit qu'on savait. Il avait Franklin, j'avais pas remarqué. Et nulle part où se cacher. Il nous a jamais tapé. Si, mais moi, quand il m'avait tapé, j'avais pas d'objet à ce moment-là. Ah, mais si, c'était la trousse de Dwight qui était par terre. Oh, un petit friendly là. On joue avec lui. On se balance des boules de neige mutuellement. Ha ha ha, on rigole. Je sais pas. Surtout que tu mets l'offrande pour être dans la map, tu vois. La seule map qui est thématique. Oh, l'autre Ada me donne froid, je te promets. En t-shirt. Ou encore intervention impure. Putain, on l'a eu à chaque partie. Hein. Ok, cette fois, j'ai vraiment réussi à le rendre friendly. Ah, oh, c'est dread. D'abord, je vais ramasser. Après, si ça passe pas, ça passe pas, tu vois, genre... Ça a rien de forcé. Ok, il a pas la donne, on peut fermer les casiers sans qu'il voit... Ok, ok. On y croit. Je peux pas rentrer dans le bonhomme de neige. Il a le skin blanc, enfin bleu de fin de faille. Je rentre dans la maison, attention. Regardez les gens, la déco. Allez, au revoir. On sera toujours... Pas le temps de rester. C'est vraiment les visites d'appartements sur Paris. Bon bah alors voilà, vous voyez là. Bon, ouais, c'est fini. J'ai lancé de la neige, mais je pense pas que c'est un effet. Non. J'ai mal visé après, peut-être que c'est ça. En plus, il a un grand sourire, il a l'air tout gentil là. Mais non. Il va se taper un casier. Ça part mal là. Mais je lui ai fait plein de cadeaux. Rien, non mais. Vas-y. Je dis, les gens ils continuent à tryhard, même si c'est un event, même si c'est un truc. En fait, il faudrait qu'on vérifie parce que ça se trouve dans les défis tueurs. Ils ont que des défis en mode accrocher des gens, tuer des gens, et genre, bah, si tu veux faire l'event, t'es obligé. Balance des gens, des boules de neige, tout comme ça aussi. Ok, ok, bon bah. Ils sont juste méchants alors. Oui. Ok, j'ai balancé deux boules sur la Ada. Donc ça marche. Ça, c'est vraiment un petit boule de neige par contre. Mais meuf, elle arrive. je vais essayer de lui tirer une boule de neige de loin, mais pas simple à viser en vrai. Où t'es venu le chercher ou pas? Non. Ok, allez, non, c'est moi du coup. Non, je crois que c'est toi qui es au-dessus là. Oui. It's me. Mario. Bah, si tu veux, il y a deux trous de soins là-dessus. Ah oui, parce que du coup, tu lui as offert et il a pas vu. Attends, ça c'est la mienne. Ah. Ah, il y avait une trousse verte en plus que t'as laissée. Incroyable. Il est sur les deux autres. Ok, j'arrive.
déconner sinon. On y croit, on se dit que l'Ada qui le fait courir, c'est une déesse du jeu qui a jamais aussi bien joué. Et qui va le loop pendant 4 générateurs. J'ai cru que t'allais dire pendant 4 générations. Ah oui, bon pourquoi pas après. C'est... On le fait courir de père en fils depuis... depuis 10 générations. Ok, ok. Ouais, Lou, t'as quasiment fini son gène. Moi, s'il vient pas sur moi, je pense que je peux finir aussi. Ça peut combler notre retard là, de gène qu'on a. Après, fais gaffe, encore une fois, ne prends pas trop de risques. Tu restes en phase 2. Fais attention. Attention, attention. Hop là. Jamais récupérer de la neige. Bon, je soigne la Ada en robe. Ah, j'ai beaucoup joué cette Ada là, je crois. Surtout en période de fin d'année. Vu que ça fait un peu habit de soi. Il y a du générateur devant chaque. Ok. Bon, on a, j'arrive avec la Ada, je pense qu'on a terminé. Bon, par contre, j'étais déjà à moitié soigné, je crois. Je peux récupérer aussi. Oui. Tu suis en pleine santé, on est d'accord. J'en ai encore deux. Excuse. En vrai, c'est drôle. Ils auraient pu faire un auto-aim, ça aurait été trop marrant, genre, mais c'était trop demandé. Et ça aurait été trop fort aussi. Mais vu que ça obscurcit quasiment pas le visu. Le visuel ça aurait pu être trop drôle, tu vois. En mode genre tu tires derrière toi pendant que t'es en poursuite. J'aime trop parce que je regarde derrière moi. T'as donné un petit coup d'œil. Du coup on voit mes... On voit juste mes petites oreilles de reine là, qui dépassent. Attends, je vais récupérer... Neige. Ah, fais gaffe, il est près du générateur. Ouais t'inquiète, je l'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Encore une dernière. Merci. C'est bon. Il reste quel gène à faire? Milieu, mais ouais, bon. Ouais, faudra ouais, le faire. Après, ouais, si, j'allais dire, il n'y a pas de casier, mais si, il y a des casiers pas loin. Mais... Je vais essayer de les décrocher. Ok, ok. Encore une fois, prends pas trop de risques. Si tu te sens que tu es en danger, juste cours et. J'en ai prendre le relais. Bah, je vois qu'il est sur l'autre, donc je me dis. Ok, ok. Oui, mais c'est juste genre si l'autre le fait courir pas loin, genre tu prends pas de risque et tu me dis c'est moi qui vais. Elle est dans. Ok, elle est tombée vers le shack. Enfin, près de la maison, entre maison et shack. Ouais. Il la ramène sur le côté vers le milieu. Il y a des grandes chances qu'il m'ait vu, mais bon, on sait jamais. Ouais, il m'a vu. Je vais essayer de m'éloigner. Je retourne vers le milieu. Ok, ok. Il m'a pas suivi, attention. Il est sur moi. Non, il est. Ok, ok. Je vais décrocher. Vraiment la quête de décrochage, c'est. Je vais décrocher. Ok, ok. Je vais continuer le gène du milieu. Je crois que c'est le plus avancé pour l'instant. Bon, il est à égalité de celui qui est derrière. C'est juste que là on est plus dans l'ambiance au coin du feu et tout quoi, mais... Et là pour l'instant il est au niveau de la pelleteuse. Je sais que c'est pas une pelleteuse, enfin... Je sais pas quel genre de machine c'est, mais... Ok, là Ada le ramène au milieu. Aucune compassion, devant le sapin de Noël.
Ok. Moi je vais continuer celui qui est derrière alors. Tant pis pour l'ambiance de Noël. Bon, Fuck, j'ai fait un test, je faisais pas gaffe. En vrai, je vais rester blessé là. Je suis avec l'autre Ada, donc derrière le bâtiment. Et on entend le cœur. Ouais, il arrive vers nous, si tu veux. Il va venir vers vous, je vais aller décrocher. Ouais, il est sur nous derrière. Il a tapé dans notre gène, je pense qu'il a, il doit avoir une perce antigène. Parce que quand il a tapé dedans, ça. Ça a fait des chocs à pic. J'essaie d'éloigner le plus possible que je peux, mais je. Ouais, je peux pas faire des miracles. L'autre Ada, elle est au milieu. Donc à la moitié. Ça va être serré en vrai. Si on s'en sort. Il casse la palette. Et il va arriver sur vous. Prenez pas de risque encore une fois. Rappelle-toi que t'es en phase 2. Ouais, on est tous en phase 2. Let's go. Ouais, si tu peux. Même si en vrai ça aurait été beau que le. Enfin, c'est beau si les autres le font le courir et je reste blessé pour résistance, mais bon, ça m'a l'air un peu risqué là. Ok, la Ada nous le ramène. Enfin, nous l'amène. Tu sais que ça fait du bruit hein, quand tu fais ça. Mais non, ça fait pas de bruit. Tu mens. C'est pas vrai d'abord. Oh putain, j'ai tellement répondu. Ouais, il est hyper contigène. Je pense que c'est une fois qu'il accroche à quelqu'un. Ouais. Mais je pense qu'il y a un moment où on finit. Hein. J'espère que l'autre a l'adrénaline. Ouais, on finit. C'est pour ça qu'elle a pas voulu être. Il y a des chances, ouais. Ouais, mais du coup, pour sa course poursuite, ça peut risquer, mais. J'espère qu'on va la sauver avant qu'elle tombe. Let's go, adrénaline! Let's go! Par contre, les. Ouais, je pense qu'on va être près de l'autre porte, ça va être chiant pour eux. Pour l'aider. Quoi qu'il est plus sur elle, non? Si, peut-être. Je la vois au loin. Non, c'est toi que j'ai vu au loin? Ouais, c'est toi que j'ai vu au loin, peut-être. Ouais, c'est toi que j'ai vu au loin. Je le vois pas à la porte. Et bah! C'est elle qui sera diffusée comme partie! Putain, j'y croyais moins que celle avec l'artiste. Hein. Parce que tout à l'heure, on a fini avec l'artiste, franchement. Ou en gros, bon, il t'a fou. Oh, t'inquiète, de toute façon, t'attends de finir. Même s'il arrive, je tente un coup pour toi. Au pire, si tu veux, je ferme, ça te rassure. Voilà. Bon, bah, désolé pour la. Pour la Ada. En vrai, là, tout le monde a fait. Tout le monde l'a phase 2, y'a pas de. Pas de jaloux quoi. Enfin pas jaloux mais c'est pas en mode genre c'est injuste, genre c'est fait focus tu vois. Ça serait forcément tombé sur quelqu'un genre. Déjà l'adrénaline l'a sauvé. Je sais pas si ça l'a sauvé assez pour qu'elle puisse finir la poursuite et que du coup genre elle l'ait perdue et que là elle n'a pas eu de chance, elle soit tombée sur lui. Si ça c'est vraiment pas de chance parce que du coup ça veut dire qu'on aurait vraiment pu faire un perfect. Le tour est joué. Ah il avait intensité ardente. Ouh ça aurait pu être dur ça. Force brute, intervention impure, ok. Et bah parfait. Attends, il y a quelqu'un qui a marqué Easy, j'ai pas vu qui c'était. Je sais pas si c'est le tueur ou si c'est l'autre. La Ada qui s'est échappée. Pour flex un coup là. Aïe. C'était pas mal, une bonne session, on a joué 2h10. À la vidéo vous aurez eu que 3 parties je pense, j'aurais commencé un peu. Eh bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera du coup demain pour un prochain jour de ce calendrier de la vague. Merci Iron de ta participation. Avec grand plaisir. Merci Zoni. Je pensais. Celle-ci, je t'avoue, j'y croyais pas. Ça doit s'entendre sur le commentaire. Et tout. Merci à Zoni. J'allais dire à titre posthume, c'est horrible. Non mais. Bon. Capable de rester toute la session de jeu avec nous, mais vous inquiétez pas, elle va bien. Elle est en bonne santé. Sa vie. Attends, c'est quoi déjà? Son estimation vitale n'est pas en danger. Non, je sais plus comment c'est. Son pronostic vital n'est pas engagé. Voilà, c'est ça. Donc tout va bien. Et puis, bah, désolé pour Lunaire, qui aurait peut-être pu être présente. Mais du coup, elle n'a pas répondu à l'appel au moment où on pouvait tourner, donc dommage. Normalement, elle aurait dû être là. Mais c'est ça, alors, elle aurait dû être là avec Iron et pas Zoni. Finalement, ça a été Zoni qui était là, pas Lunaire. Bon, ça arrive.
Bref, à demain. Salut.